C'est vous qui partez. Vous devez vivre. Le Sénat vous écoutera. Vous êtes un commandant. Ils vous écouteront. Allez-y. Allez. Non mais oh. Le combat va être rude. J'y vais seul. Ben John Rambo. C'était son ancêtre. Repoussez l'ordre, Baba. Oh là-bas. Oh Dieu, il y a du monde. De couleur. Oh, c'est beau. Hop, hop, hop. C'est pas de Dieu. Ce serait le mal et elle, le, un peu le côté ténébreux, l'autre le, la lumière, tu vois. Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Mur est noir, mais est-ce qu'il y a eu de la vase, ouais. Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès.
l'ai tué, Damoclès. Les dieux me viennent en aide. Tuez Damoclès. Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but. Un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion. Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais et la rendre au peuple. Pourquoi ? Par les dieux, pourquoi ? Si je me trompe pas, Néron, c'est un des dirigeants de Rome, donc le César, quoi, un des Césars, qui a fait que l'Empire a perdu en crédibilité, il y a eu les révoltes avec le peuple, etc. Il doit être un des pires dirigeants, je dirais. D'après un livre que j'avais lu il y a pas mal de temps déjà, mais il me semble que Néron, c'était un tyran. J'ai fait un tour. C'était là qu'il fallait passer. J'avais pas vu. Ça sent la peste. Qu'est-ce qu'on a là? Un héros? Un noble vétéran des campagnes? Baissez vos armes ou vous êtes mort. Attrapez-le! Voilà. Ne vous laissez pas faire! Tuez-le! Allez! Allez! Ouais! C'est ça! Donnez une leçon à cette crapule! Ah non, il est mort, il s'est fait tuer ce chien. Il est mort, c'est le deuil. Il vient de découvrir ce que c'est que la mort, quoi. Que zoom qui sert à rien, n'est-ce pas, hein. Tu les as assassinés. Je vais chercher des renforts. Ouais, beau.
Oh, merci. Merci, Centurion. Pardon, je viens de l'eau. C'est là, c'est là. Commandant, un légionnaire a tué Atticus et Janus. Il y a quelqu'un. Vous deux, allez voir. Ce n'est rien. Retournez à vos postes. À vos ordres. Et en plus, il vaut pas clair. Je vais devoir éviter les rues si je veux m'en sortir. Certes, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Mais quand même... Déployez-vous. Un soldat rebelle est dans la nature et nous allons le retrouver. Là ! Espèce de chien ! Allons-y ! Lâchez vos armes! S'en fait un moi. Hop là. Fracassage dans le mur. Il faut éviter les murs. On va passer par les toits. Voilà le truc. Hé, là-haut. Rendez-vous! Rendez-vous! Ou vous mourrez! Mais c'est nos armes! Pour qui vous prenez-vous? Attends, je te prends pour celui qui aurait dû baisser son arme quand il était là. Ah!
Ils écoutent jamais les gens, ils sont chiants, ils sont chiants. Je crois que t'as un peu volé comme une balle. Bon, par où est-ce que je dois partir là ? Maintenant qu'on a fait la bagarre là. Aller de main morte, on est en train d'enterrer toute la rue. La peste. Qui peut nous aider? Plus d'eau propre, plus de sanitaire, plus de lit. Quant à la nourriture. Quelle nourriture ! Je dois la quémander ! On est perdu, étranger ? Non. Je suis d'ici. Ça a bien changé, hein ? Rome n'est plus ce qu'elle était. Retour à la maison. La mère et la sœur ont été tuées. Ce n'est pas toujours dans des contrées lointaines que nous attendent nos pires ennemis. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père était un héros de l'Empire. Ton père était un grand général et un sénateur apprécié. Trop apprécié, peut-être. L'Empereur est un homme jaloux. Et mesquin. Ton père a vécu au service de Rome. L'empereur Néron ne vit que pour Néron. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il se prend pour un dieu. Un vent glacé du nord a murmuré des mots perfides à l'oreille de l'empereur. Ton père et ses compatriotes voulaient rendre Rome au peuple. Alors Néron les a fait assassiner.
Après tout, c'est ce que font les empereurs. Il a partagé le fruit de sa cupidité entre ses deux fils, Basilius et Commodus. Il leur a confié des pouvoirs et des responsabilités dont ils ne sont aucunement dignes. On l'a remarqué. Rome a abandonné ses enfants, Marius. Tu es une pièce maîtresse dans le camp des hommes. Et tu as, comme nous tous, un vrai rôle à jouer. Damoclès, l'esprit de la vengeance. L'avenir de l'Empire est entre tes mains. Sauve Rome. Sauve Rome, Marius. Commencer par déglinguer les deux fils et finir par l'empereur. J'espère que vous prenez encore un peu de plaisir avant de mourir. Je devais participer au tournoi de l'empereur. Un seul homme pouvait m'y faire entrer. Je lui rendis donc visite. Damoclès ? Je suis venu pour le tournoi. Ah ! Tu es un gladiateur ! Oh ! L'armure mythique est une très bonne idée. C'est assez... Seuls les meilleurs guerriers participent au tournoi. Voyons si tu te bats aussi bien que tu t'habilles. Waouh ! Très technologique pour l'époque. Sans problème. Combien d'hommes ? La. Ça alors ? Mais tout. Quelle surprise ! On dirait bien que mon cher Commodus tient son champion ! Bravo ! De mieux en mieux ! Lancez le prochain acte ! Un champion de la reine ! Tout droit venu des contrées bâtards ! Justinus ! Fais attention ! Il ne plaisante pas ! Yeah.
déjà fini, t'as déjà perdu. C'est pas de ta faute, hein. Tu fais preuve de talent. Tu es extraordinaire. Bien, pimentons un peu les choses. Pour notre prochain acte, nous accueillons deux champions, Romulus et Rémus, les tueurs de Tartare. Romulus. Nous allons te compliquer un peu la tâche, Damoclès. Sortez les empaleurs. Et quoi? Voilà, ça en fait un de moins. Bah monsieur, t'as perdu ton truc, alors? Bravo! Bravo! Quel combat! C'était chou quand même. Je suis conquis. Viens dans mes appartements. Tu veux te battre pour ton empereur? Je vais honorer ta demande. Qu'est-ce que c'est beau, la technologie. Ça me rappelle Prince of Persia quand on prenait l'ascenseur et puis qu'on se faisait attaquer dans des trucs comme ça. Voici ton parchemin d'entrée. Ne l'égare pas. T'as vraiment une belle tête de fils de pute, toi. Tu fais de la violence une forme d'art. Pour ma part, je m'exprime différemment. Voici quelques-unes de mes dernières œuvres. Je viens d'y apporter les derniers... enjolivement. C'est un cadeau pour mon père, l'empereur. Une pièce tout à fait remarquable, si je puis me permettre. Elle renferme une petite surprise. Un compartiment dans la tête lui permet de verser des larmes de vin blanc, symbole de son immense amour pour l'Empire. Mais on peut aussi y mettre tout autre chose. N'importe quoi. Ouais ouais, mets en bien, coule bien dans le dans la tasse, dans le plateau. Comme ça, on pourra le remplir. Partout du sang. Des montagnes grises font tomber le Sénat. Les rues de Rome seront rouges, rouges de sang. Je t'ai vu dans mes songes. Libère-moi si tu souhaites connaître ton avenir. Toi, le héros déchu de Rome. Esprit de la vengeance. Damoclès. Ouais, en fait, elle est toute nulle. C'est du body painting. Juste une robe. Un beau coup.
Oui, c'est bon, on a compris. Sera tué par le grand général Marius. Et ce général sera tué par Damoclès. Mais l'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Tu ne peux pas le tuer. L'empereur Néron ne peut... Je peux pas le tuer. C'est sur cet assassinat du fils de l'empereur que nous allons arrêter notre épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce qui pointe vers le ciel, un commentaire et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune de nos vidéos. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!